Et c'est le meute. On se retrouve pour le petit easter egg des aliens sur Red Dead Redemption. Donc là, vous pouvez voir, nous sommes à l'est, donc à droite de Valentine. Yop là. De Valentine, et donc pas excessivement loin de la base, de notre base de Horseshoe. Donc c'est ici, vous avez juste au-dessus du N qui forme le mot New Haven. On off. Ici, il y a un petit lac et il y a une toute petite maison ici même. Donc c'est dans cette maison que se trouve un culte. Et ce culte-là va vous donner l'information que si vous attendez 2 heures du matin, vous allez pouvoir avoir peut-être une petite surprise. Hop là, on va aller voir. Donc là, on rentre dans le culte. Vous avez vu que voilà, tout le monde est mort. Il y a des squelettes de partout. Il n'y a plus de toit. Là, vous avez un peu le chef de camp, le chef du culte, le grand Manitou, le gourou, ici présent, avec un crâne devant lui. Et donc si on lit le message, à la deuxième heure sous la demi-lune, par le grand amour et grâce à notre sauveur Kuokuala, oula, Kuko, Kukuwaba, le voyageur du temps et des galaxies, nous abandonnerons nos enveloppes corporelles pour que son vaisseau puisse emmener nos esprits dans le royaume qui nous est promis et vivre en paix et en harmonie jusqu'à la millième année où nous reviendrons pour les nouvelles. Pour le nouvel élu et pour vénérer à nouveau le sommet du mont Shane dans son amour et notre joie éternelle. Alors bon, un petit clin d'œil aux aliens, mais vraiment, ça c'est présent dans beaucoup de jeux de Rockstar, comme dans GTA V avec le mont Shildan, je crois, Shildan. Il y avait ce système-là. Il y a des petits clins d'œil en tout cas aux aliens. Donc ici, il faut hop, créer un camp. Pour dormir jusqu'à minuit et après attendre 2 heures du matin. La plupart des joueurs que vous pouvez voir sur internet en général ont une montre à gousset, mais moi j'en ai pas. Je sais pas comment aller l'avoir. C'est qu'on va profiter pour manger un morceau. Du gros gibier, j'en ai combien? 5, allez, on va manger un petit gros gibier. Jusqu'au soir, là on est sûr d'être le soir là. Minuit, 6 h, voilà. Je peux me gourer, mais c'était comme ça, je crois que j'ai vu sur les différents forums et les informations. L'effet de la pommade s'est dissipé. Ah, pour les cheveux, d'accord. Donc, hop, on va démonter le camp. On va le garder quand même. Le temps passe vite dans le jeu, donc on devrait pas avoir besoin d'attendre très longtemps. Normalement. Hop, je me remets le marqueur quand même pour être sûr de pas le rater. Par contre, c'est vrai que moi, là de base, là, il y a beaucoup qui auraient la montre à gousset. Moi, j'en ai pas. La montre à gousset, c'est chiant. Petite fabrication de bandana. Non, pas ça, c'est les pommades, ça sert à rien. Provision, provision fortifiant. Ouais. Normalement, il c'était nécessaire à certains qui ont les montres à gousset. Moi, j'en ai pas. Donc, on va attendre. Donc, après, vous n'avez plus qu'à attendre. Ah, bah, regardez. Même pas besoin d'attendre très longtemps, en fait. Hein. Vous arrivez bien à le voir. Premier coup, je suis bien content. Se mettre là, que vous voyez bien. Là où il y a la soucoupe volante qui arrive et qui scanne en fait la zone. Donc ça a rien de lui tirer dessus, hein, il descendra pas plus. Ça serait une petite animation dans ce style-là. Mais c'est quand même fort sympathique. Je sais pas si on va arriver à prendre une photo peut-être. Il va pas arriver. Ah, quoique.
On n'aura pas mieux. Niveau photo, on n'aura pas mieux. Grosso modo, voilà, il reste à peu près comme ça. Donc le petit easter egg est quand même assez sympatoche. Par contre, ensuite, une petite chose à savoir, hop là, si vous le visez, on va sortir une arme. Si vous le visez et que vous sortez, en fait, à partir du moment où il n'y a plus de personne dans la zone, donc ici, ils vont tout de suite en fait s'en aller. Donc toi, ils vont vraiment fuir directement et quitter la zone. Adios, amigos. Je sais pas si en rentrant ça va les ramener ou pas. Non, ils reviennent pas. Donc voilà, donc c'était le petit historique des aliens sur Red Dead Redemption 2. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas même à partager, liker et commenter la vidéo pour ceux qui auront regardé cette vidéo par YouTube. Voilà.